Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bref, aujourd'hui, salut à tous les gens, c'est Meloki Miko, désolé pour cette intro pourrie. Oui, je suis triste aujourd'hui, je suis en déprime totale. Pourquoi je suis en déprime? Alors, je sais pas ce qui m'a pris tout à l'heure, mais j'ai commencé à retaper mes anciens comptes. Et je suis en train de remarquer qu'en fait, mes anciens comptes me manquent énormément. Enfin, c'est un truc de ouf. C'est con à dire, mais un compte quand même, il tient vraiment. Et là, donc, j'ai essayé de les rechercher et j'en ai trouvé. Je peux pas me connecter dessus, bien sûr. Bien sûr, ce sont des comptes différemment bannis pour certaines raisons. Je peux vous dire que c'est pas rigolo du tout. Parce que c'est la grosse déception. Je veux trop les récupérer. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé les mots de passe de tous les comptes que j'ai retrouvés. Mais le principal, c'est Didou89fix. Commencez par Didou89fix. Donc, pour les personnes qui sont vraiment très vieilles sur ma chaîne, les vrais. Faire un petit zoom. Donc, il est interdit de demander ou de donner aux autres utilisateurs ton adresse mail, nanana. Et là, j'ai demandé Taskapou. Donc, avant, faut dire que Skipou, c'était le mot pour dire Skype. Personne n'a été banni pour ça, et moi, la malchance, j'ai été banni pour cette raison. Il y a plein de gens qui disent Skypa, Skapi, Skipa, Skipi. Tu vois, quand tu te connectes et que t'as été banni définitivement parce que t'as dit ça, je te dis, mais merde, MSP, les modos, ils font quoi là? Ensuite, mon deuxième compte, si c'est pas plus de tête, j'avais juste rajouté elle là. La Didou89fix pour les personnes voilà, qui datent sur ma chaîne savent qui est de la Didou89fix. Il est interdit, gnagnagnagna. Voici ce que tu écris. Ma chaîne YouTube, Meloki Miko, abonnez-vous. Compteur d'abonnés, 1145 abonnés à 2000 concours. Alors ça, MSP, je sais pas si. Ils se rendent compte, mais ça c'est ce que je marque H24. Parce que 70% des gens sur MSP aussi marquent. C'est une très bonne raison pour laquelle j'étais bannie, hein. Là je ne dis pas le contraire, là je ne pourrais rien faire à ce compte là. Mais voilà, j'étais 10 user was locked by an administrator. Voilà, j'ai été bannie à vie à cause de hack de Sharkproxy. Donc la preuve que Sharkproxy m'a pourri mes comptes. Je tiens à préciser aussi que sur XKitaX, je ne pourrai plus accepter personne d'ici 2 jours parce que je ne suis plus VIP, je ne peux plus me mettre VIP personnellement. Il n'y aura plus de concours, voilà. Ça va être annulé pendant un petit moment. Donc je suis désolée, mais je suis obligée. Voilà, financièrement, je suis obligée. C'était ce userbook qu'on avait fait pour moi. Donc voilà, on va prendre celui-là par exemple. C'était mon ancien compte, Didou89fix. Je vais aller sur le profil. Les gens sur le profil, c'est dommage parce qu'on voit plus du tout les meilleurs amis. On voit plus du tout ce qu'il y avait. Donc là, c'était mes awards. Donc j'avais pas mal de choses. À part ici, en social aussi. En shopping aussi. Enfin voilà, j'étais vraiment au taquet. Donc je me suis fait bannir le jour des rares. Et l'après-midi, le matin des rares, je me suis fait bannir. J'ai eu le temps d'acheter quelques rares et après, boum, je me suis fait ban. Donc là aussi, voilà, j'étais jury et célèbre donc, cette fois-ci. Je crois que j'avais mis des trucs dans ma liste. Voilà, j'avais pas mal de photos aussi sur ce compte. Donc j'étais vraiment... Enfin voilà, c'était parfait. C'était parfait. J'étais VIP. J'étais VIP un an. J'étais... Enfin voilà. J'avais pas d'artbook, c'est bizarre, ça m'étonne. Donc dans les looks, on peut créer des looks en vrai. Luna Bloma qui m'a fait 20 000 abos en 2017, tu vas les avoir. Ouais, on est à combien là? On est à 18 598, donc c'est possible. Ouah, tu prédis l'avenir. Bref, voilà, impossible de retrouver mes anciens comptes. Je sais pas si j'arriverai à récupérer Didou89fix, en tout cas si c'est le cas, vous inquiétez pas, mais direct je filme. C'est horrible, l'envie que j'ai envie de récupérer mes anciens comptes. Sur ce, ben voilà, j'en ai fini. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, en tout cas, bah voilà, j'ai regardé un peu mes comptes, j'ai eu envie d'essayer de les récupérer. Je vais tout faire pour récupérer déjà Didou89fix. Et enfin, j'espère que je pourrai. Et puis si je peux pas écouter, en fait, je me dis que mes comptes, ils sont pas complètement partis, en fait, ils sont pas complètement morts. Donc je me dis, il y a peut-être un espoir de récupérer, en fait. Si tu fais nécessaire, en fait, je pense qu'on peut récupérer facilement nos comptes. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Donc voilà. Bon bah sur ce, gros bisous à vous et puis n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager et à commenter. Gros bisous à tous.